Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, le bungee pump. Alors, le bungee pump, je suis avec Karine Laurent, vous êtes spécialiste sport santé et santé au travail. C'est quoi le bungee pump? Alors, le bungee pump, j'en ai amené. C'est des bâtons tout simplement de marche nordique, mais en fait avec une élastique à l'intérieur, ce qui va donc procurer une certaine résistance quand on va marcher. On peut adapter et donc, quand on marche, il faut appuyer en même temps, hein, voilà, ça appuyer en même temps. Donc, il y a une résistance quand j'appuie et également sur le retour. Donc, pump. On peut adapter, mettre une élastique donc en fonction aussi de notre condition physique. Il y a du 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on va faire du renforcement global du corps. Ça va permettre aussi de retravailler… Sans s'en rendre compte, en marchant comme ça. Exactement, sans s'en rendre compte. De aussi retravailler la respiration, c'est fondamental. Aujourd'hui, les gens ne savent plus respirer. Faire du sport, c'est important, mais il faut d'abord savoir respirer. Pour bien faire du bungee pump, alors il faut marcher et en même temps… donc. Pour faire travailler ses muscles, il faut appuyer, faire des grands mouvements. Exactement. En même temps, on respire, en même temps, on marche. Et tout ça, ça donne un truc assez doux, finalement, et un bon exercice. Et vous savez d'où ça vient, ça? C'est tout simplement au niveau des pays scandinaves. C'était notamment ceux qui faisaient du ski de fond, qui l'été avaient besoin tout simplement de trouver un dispositif. Combien de temps on en Alors, fait combien de temps? On en fait moins que la marche nordique, parce que c'est très sollicitant au niveau du renfort musculaire. Donc, 30 minutes, 45 minutes. On est un peu débutant, on en fait quoi, un quart d'heure? Non, on peut faire 30 minutes, mais si on est plutôt un peu plus, on est mieux en termes de conditions physiques, on peut aller jusqu'à 45 minutes. Mais c'est hyper adapté au mode de vie actuel parce qu'en une demi-heure, vous bossez vraiment. Et ça équivaut vraiment à une heure de sport en salle de fitness. Et ben voilà, on se met tous au bungee pump. Voilà, bungee pump.